Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve avec ma dégaine de dimanche tout simplement parce qu'on est dimanche, mais au niveau de l'organisation c'est beaucoup mieux pour moi. Dans cette vidéo je vais manger pendant 24 heures selon les indications d'une intelligence artificielle. Donc j'ai téléchargé une application, on va regarder ça ensemble. Juste c'est vrai qu'avec le boulot, le fait que je parte fin de semaine, les choses qui sont déjà prévues etc, c'est beaucoup plus pratique pour moi de filmer ça maintenant. Donc écoutez, au début je me suis dit j'allais demander à Siri, mais ça fonctionne absolument pas parce qu'elle nous envoie directement sur internet. Donc j'ai téléchargé ChatGPT et donc on va regarder ça. Je vais prendre des petits captures écran et ensuite le jour J, donc courant de semaine, et bon, pour vous ce sera exactement la même vidéo, je ferai ça toute une journée. C'est vrai que j'avais dit que je ferais plus de 24 heures, mais vraiment les 24 heures dont j'ai envie. Donc celui-là c'était une bonne idée je trouve. Alors je sais pas si ça déjà été fait parce que j'ai évité de regarder sur YouTube, et en ce moment d'ailleurs je ne regarde plus trop les vidéos sur YouTube. J'ai évité d'aller checker ça tout simplement pour éviter de me laisser influencer. Mais donc écoutez, c'est parti, on va poser une petite question. Le chat je l'ai mis en français et il me semble que peu importe la langue, de toute manière il donne les mêmes choses. Donc donne moi une idée de petit déjeuner. Alors le but c'est vraiment de modifier le minimum possible les indications qui vont être données. Après je vais juste arranger éventuellement avec le travail, en tout cas ce qui va être mieux. On va essayer de faire au mieux. Bien sûr, un bol de yaourt nature avec des fruits frais coupés en morceaux. Ok, je vous dis pas tout maintenant et puis je vous donnerai les indications quand je préparerai la recette. Donne-moi une idée de... Alors, normalement, je filme mercredi, donc le snack, entre guillemets, je vais le prendre juste avant le boulot. Donc, on va d'abord faire le snack. Bon, là, il donne des bâtonnets de légumes à tremper dans du yaourt. Clairement, au niveau organisationnel, ça va être impossible, donc je vais reposer la question. Ok, donc là, il donne des tranches de pommes avec du beurre de cacahuète. Ah, voilà, un truc que je peux apporter, que je peux... Et donc, une idée de lunch. Ça a l'air bien bon, ça. Donc là, pour le lunch, ce sera une salade. Dîner. Juste faut que ce soit frais parce que en ce moment il fait très chaud. Et pour le dîner, ce sera des tortillas. Bon bah voilà, je vous retrouve d'ici quelques jours. Hello, nous voici le jour J. Il est quasiment 6h, il est 5h55. J'ai déjà pris ma douche. Quand je vous dis que c'est la course en ce moment, et en plus de ça, je m'ajoute de vous filmer des vidéos. Donc là, je vais reprendre un petit peu ce que ChatGPT m'a dit. Et puis je vais préparer ça. Je vous avoue que vous allez voir, mais quasiment l'intégralité des recettes, ça a l'air plutôt cool. C'est des choses que je pourrais éventuellement manger. Alors à savoir que je vais juste adapter quelques recettes. Par exemple, là, je vais vous montrer. Alors, est-ce que là, vous allez me voir? Bon, c'est pas terrible. En fait, là, le soleil, il est quasiment levé, mais pas totalement. Et il me fait encore un peu sombre, quoi. Je vais vous mettre à l'écran exactement les captures écran que j'ai pris. Bien sûr, voici une idée de petit déjeuner équilibré. Un bol de yaourt nature avec des fruits coupés en morceaux, comme des fraises, des bananes ou des baies. Saupoudré de quelques graines de chia ou de granola pour ajouter du croquant ou de la texture. Vous pouvez également accompagner cela d'une tranche de pain grillée et beurrée. Ok, ouais, je pense que ouais, c'est ce que j'avais dit. Je me suis dit que j'allais faire un bol avec du fromage blanc 0%. Je vais rajouter un petit peu de flocons d'avoine pour apporter un petit peu plus de texture et pour que ça me tienne un petit peu au corps, parce que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et aussi éviter de mettre trop de granola parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal sucré, et bref, la consistance va pas être folle, etc. Et même moi j'adore les flocons d'avoine, donc ça me va très bien. Donc je vais ajouter ça dans le fromage blanc. Par dessus je vais couper une banane, je vais mettre aussi du granola. Je vais aller me mettre sur le bar pour vous préparer tout ça, parce que là la lumière elle est juste... C'est déjà un petit peu mieux. Bon, il précise rien sur l'eau, mais je bois de l'eau. Alors, 200 g de fromage blanc. 146. Ah oui, et pourquoi je me réveille aussi tôt? Tout simplement parce que j'ai rendez-vous chez le dermatologue à 7h50, mais genre à 30 minutes d'ici. Et j'ai peur de me taper les bouchons en plus. Donc, moi, je vais mettre genre 20 g. Et je vais mettre genre, je sais pas, 20 g de muesli comme ça, protéiné. Je vous avoue que ça aurait été meilleur avec du muesli chocolat que j'ai acheté, sauf que c'est ouvert. Et donc voilà à quoi ressemble le bol. Par-dessus, j'ai aussi rajouté un petit peu de graines de chia pour la décoration. Là, je pense que les flocons d'avoine auront bien pris un peu le fromage blanc. Après, je pense qu'au niveau du goût, je vais pas avoir de surprise particulière sur cette recette. Pour dire un peu pourquoi je suis obligée de faire un truc un peu consistant, c'est parce que là, je mange. Après, je vais manger le snack, je pense, vers 10h. Et je vais pas manger avant... je termine à 15h30.
donc avant au moins 16h15, le temps de tout préparer. Je vais manger tout ça devant un petit épisode, Station 19. Après Grey's Anatomy, j'ai commencé la série, donc Dérivée, sur les pompiers, c'est plutôt cool. Donc je vais regarder ça tranquillement et je vais essayer de me réveiller parce que là ça devient compliqué. Me voilà prête à partir, mais avant ça, je vais préparer le snack. Alors juste pour vous expliquer un petit peu, initialement, il m'avait donné l'idée de faire des bouts de pommes avec du beurre de cacahuète, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu trop galère à embarquer. Donc j'ai opté pour la deuxième solution, des energy balls à base de dattes, de raisins et d'amandes. Donc voilà, on pouvait mettre différents fruits à coque aussi, mais j'ai décidé de mettre ceci. Je vous ai filmé ça hier parce que j'étais sûre de ne pas avoir le temps ce matin. J'ai pas du tout les quantités, donc je vais faire un petit peu à l'œil, je sais pas trop, j'ai acheté des dattes. Hop, des dattes, je ne sais pas combien je vais en mettre. Des raisins là. Et j'avais dit que je mettrais des amandes. Et on va voir ce qu'on peut faire. Je vais déjà dénoyauter les dattes. C'est pas du tout intéressant. Ça va être collant, ça va être chiant. Bon, ça y est, j'ai mis 8 dattes à l'intérieur de mon mixeur. J'avoue que sur les quantités, je ne sais pas du tout. Je vais mettre une dizaine d'amandes. Pioup, pioup. 4 et je sais pas, je vais mettre une vingtaine de raisins. Écoutez, pour l'instant je pense qu'on a un petit problème parce que bah ça fait pas du tout une pâte. Je vais continuer à mixer pour voir. Écoutez, c'est l'heure de faire de la pâte finalement. Je vais mettre de la noix de coco. Ça m'a l'air bon tout ça. Voilà mes petites boules, je vous laisse avec la Lizzie de demain. Par contre, je me dis que je vais clairement encore avoir faim après ça. En fait, je me dis que je vais avoir faim si je mange ça à 10h jusqu'à 15h30, ça va être très compliqué. Donc je vais quand même très rapidement préparer la deuxième alternative, donc les pommes avec le beurre de cacahuète. Mais je vais tout mettre dans une boîte, mais à la place de tartiner le beurre de cacahuète sur les rondelles ou sur les quartiers de pommes, je vais en mettre un petit peu comme ça par-dessus. Et voilà, je pense que ça va être suffisant, c'est pas de ce qu'il y a le plus beau. Mais au moins c'est un peu optimisé. Je vais mettre ça dans un petit sachet isotherme. Je vais prendre une fourchette et puis donc je le mangerai juste avant de commencer le travail. Bon, je suis arrivée à mon rendez-vous chez Dermato. Franchement, la route, bon, il y a eu un petit peu de monde, mais ça a été. Bon, j'ai quand même mis 40 minutes. Désolée, il y a un contre-jour tout à coup. Tout s'est un petit peu mieux. Et donc là, le problème, c'est que j'ai rendez-vous dans 10 minutes et je dois faire pipi à mourir. Après le rendez-vous, je vais aller chez mes parents parce que c'est juste à côté. Je commence à 10h30. L'objectif, c'est que je reparte de chez mes parents, on va dire, vers 9h30. Que j'arrête comme ça au boulot, que je peux vous filmer comme ça le petit snack dans la voiture. Par contre, c'est une catastrophe, cette luminosité, ça m'énerve. Et puis, j'ai vraiment la tête dans le cul, c'est très compliqué, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Bon, c'est parti pour la dégustation sur le parking d'Auchan et c'est surtout parti pour me faire juger parce qu'il y a des gens qui vont passer, c'est sûr. Donc j'ai mes deux petits snacks, n'ont rien à voir, mais je suis allée chez le dermato et voilà, c'est parti. Donc elle m'a cautérisé le vaisseau qui avait éclaté sur le bout de mon nez. C'est parti, on verra bien. Et donc je vais commencer par, je commence par quoi? Je commence par les pommes. C'est vrai que j'ai l'habitude de le faire avec de la banane. Trop bon. D'ailleurs, le beurre de cacahuète Nutri, il est genre trop bon. Je vais me dépêcher parce qu'il faut aussi que j'aille à la pharmacie. Donc on va tester ça. Là, j'en peux partout. Bon, regardez, c'est quand même assez... je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même assez fondant. Mais j'ai bien fait de me faire des pommes. En tout cas, les idées de snack, c'est validé parce que c'est super rapide à faire. Vous me voyez aussi comme ça, ça fonctionne. Peut-être que les gens me jugeront un petit peu moins. Il est 4h. J'ai abandonné toutes mes affaires. Go préparer à manger. Faudrait peut-être que je retire ma sacoche aussi. C'est une bonne idée. Allez, lavage de main et c'est parti. Alors, il s'agit d'une salade méditerranéenne. Il faut que je coupe des concombres, des tomates cerises, des poivrons, des olives. Je vais pas les mettre parce que je déteste ça. C'est quoi cette coupe de cheveux? Ok. Je suis d'une fatigue, les gars. Ça va être sympathique tout à l'heure quand je vais devoir bosser sur l'ordinateur. Allez, go. Le poivron, je vais le couper intégralement parce qu'il va me resservir pour ce soir. Ensuite, il faut de la feta, des tranches d'oignon rouge. Alors, l'oignon rouge, je vais pas faire parce que bon, je suis pas...
Bref, j'ai fait encore une crise de ventre, hein, je ne vais pas vous montrer à chaque vidéo que j'ai mal au ventre. Des pois chiches. Ok, donc il me reste à faire la feta et les pois chiches. Poivrons, tac, tac, tac. J'en ai pas mis trop parce que pareil, les poivrons, ça me donne mal au ventre quand c'est cru. Tomates, tac, tac, tac. Les concombres. Les pois chiches, je vais tout mettre. Mettre les petits dés de feta. Et voilà la petite salade. Franchement, ça donne trop envie. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la luminosité. Je me suis quand même mis dans ma salle à manger parce que ici, c'est soit il y a juste pas de lumière, soit on est obligé de fermer les volets parce qu'il fait 35 degrés dehors. C'est parti, on va manger ça. Je mélange tout ça. Je l'ai mérité cette salade. En fait, ma vie, elle se résume à ça. Depuis que je travaille au Starbucks, c'est 2 jours par semaine et je mange à 16h. Voilà. Et vous savez, on peut faire des bons repas juste avant ou après d'avoir travaillé, on va dire. Sauf que, bah, honnêtement, il n'y a rien qui me donne envie au Starbucks, quoi. Bon, je vais essayer de planter plusieurs choses différentes. C'est bon. C'est vraiment cool. Je pourrais carrément la reproduire. J'étais en train de m'endormir sur mon téléphone. J'ai terminé mon assiette. C'était vraiment bon. Franchement, c'est une recette que je pourrais carrément refaire. Je vous avoue que je suis complètement déphasée quand je termine comme ça à 16h. Donc là, j'ai clairement envie de prendre un dessert. Mais je ne peux pas parce que c'est pas dans le programme. Voilà. Il est quasiment 17h. Il est 16h40. Donc ce que je vais faire, c'est que... Bah, je vais tout ranger, je vais me bouger parce que sinon je vais m'endormir sur place et je vais me mettre à bosser. L'objectif d'aujourd'hui, qu'est-ce que je m'étais mis Je m'étais mis hop, 1 heure de montage, 45 minutes d'Instagram et de l'anglais. Bah écoutez, je pense que je vais faire 45 minutes de montage, 45 minutes de post sur Insta, etc. Et puis il sera l'heure de... Ah bah non, je fais mon anglais et il sera l'heure de faire à manger. Donc, bah écoutez, je me bouge de suite, de suite, de suite. Est-ce que je ne mangerai pas du petit chat pour le dîner ce soir? Qu'est-ce que t'en penses de nous? Non ouais. Bon, c'est l'heure du dîner et je vais essayer de faire ça vite parce que comme vous avez pu voir, je pense, dans la moitié de la vidéo, je suis complètement éclatée. Donc, bah écoutez, c'est parti. Donc, c'est des tacos. J'ai déjà ouvert le paquet de tortillas hier qui est là, ok. Et c'est principalement des légumes, de l'avocat, des haricots rouges. Je vous montre tout ça. Alors, faut que je coupe des poivrons, des oignons, des courgettes avec un peu d'huile d'olive. Je vais pas mettre d'oignons. Je ne trouve pas avoir un mal au ventre, donc des courgettes, des poivrons, sel, poivre. Je vais déjà préchauffer le four à 200 degrés. Il ne précise pas comment les griller, mais je me dis que dans le four, ce sera carrément mieux. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà coupé les poivrons. Ensuite, il conseille de faire une petite sauce avec du yaourt grec, mais j'en ai pas, donc je vais mettre du fromage blanc. Je pense que je vais mettre genre 2 cuillères à soupe moyenne, je pense que ça peut le faire. Les recettes sont top, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de quantité. Heureusement, je connais un peu les quantités qu'il faut mettre dans les recettes, parce que sinon, c'est pas très précis. Bah après, c'est quand même précis dans le sens où il donne vraiment tous les ingrédients, il dit pas juste préparer un chili ou préparer un porridge, j'en sais rien. Mais donc ça, c'est plutôt cool, mais c'est vrai qu'après, il faut adapter les quantités, et en fait, c'est... Je dis ça, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Au moins, ça permet à chacun d'adapter les choses. Et bon, à la base, c'est pas fait pour nous créer des recettes non plus. Hein. Donc, jus de citron, un petit peu d'ail. Et c'est marqué les herbes fraîches. Donc, moi, je mets du persil. Et des échalotes, je me suis dit, comme je mets pas d'oignons dans les légumes grillés, ça pouvait apporter une petite touche de... je sais pas quoi, mais une touche en tout cas. Yes. Bon, voilà, je pense que j'ai tout préparé. Je vais juste faire réchauffer les tortillas. J'ai l'impression que franchement, j'ai foutu un bordel. Ensuite, il faut que je mette les légumes. Après, ils me disent de mettre de la sauce crémeuse. Il faut que je mette de l'avocat. Du fromage râpé, mais j'en ai pas envie. Donc, de toute façon, j'en ai pas. Pour moi, c'est réglé. De la salade, je trouve que c'est peut-être trop. Mais bon, je vais faire un peu à l'œil. Hop. Allez, mon loulou. Tu l'as passé un moment ? Allez, hop là. Voilà. Et voilà. Décalé.
hop, mon petit plateau. Vraiment, c'est mes moments préférés quand je suis toute seule à la maison. Voyons voir. Mais les recettes sont incroyables en fait. Franchement, n'hésitez pas à tester cette recette parce que, en fait, je disais que j'avais fait le bordel, mais en fait, j'ai pas du tout fait le bordel. C'était qu'une impression et ça demande pas énormément d'efforts. C'est juste que voilà, il y a beaucoup d'ingrédients à mettre à l'intérieur, mais en vérité, ça va quand même assez vite. Surtout par exemple, les légumes, j'ai dû les mettre 20-30 minutes au four et ça demande pas forcément beaucoup de surveillance. Je suis trop contente de cette recette. Je vais me détendre un petit peu devant un épisode parce que je l'ai mérité et que je suis aussi très fatiguée ce soir. Et je vous reprends après pour vous faire un petit peu le point sur cette journée. Et voilà, tout fini. C'était juste trop bon. Honnêtement, c'est une recette que je vais carrément reproduire. Faudrait juste que je vérifie au niveau des valeurs nutritionnelles. Peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu plus protéiné. À voir, mais honnêtement, avec les haricots rouges, c'était trop bon. Et puis le mélange aussi avec l'avocat, la crème, etc. qui a été faite. Si je dois donner un coup de cœur sur cette vidéo, c'est vraiment cette recette-là. C'était vraiment trop bon. Je suis contente d'avoir terminé cette journée avec cette recette-là. Parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui, j'ai eu un petit peu mal au ventre, etc. Mais ça arrive souvent quand je fais des middles au boulot. Donc en tout cas, je suis très contente. Et d'ailleurs, aussi très contente d'avoir découvert les autres recettes. En particulier aussi celle du midi. Après, les Energy Balls, c'était bon, mais c'était pas non plus, voilà, extraordinaire. Bon, les pommes, beurre de cacahuète, c'est sympa, mais pareil, enfin, c'est pas non plus une recette de foufou. Et bon, le petit-déj, ça reste quand même quelque chose de basique. J'espère en tout cas que vous avez pu apprendre de nouvelles recettes. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez déjà testé si vous testez, qu'est-ce que vous avez eu comme recette. Ça peut être cool. Voili voilou. Qui est-ce qui dit encore voili voilou en 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. J'essaie vraiment de revenir dans des vidéos sur YouTube sous un format long, parce que ça manque énormément. N'hésitez pas à me rejoindre, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais sur Lizzie Cooking. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et je ne serai pas en France.